agréable de vous avoir ici. Donc, je vais rappeler quelques données historiques pour commencer, même si beaucoup d'entre vous les connaissent déjà. Donc, vous savez que le Centre d'art est un lieu qui a été fondé en mai 1944 sur l'initiative d'un Américain nommé David Peters, avec, ce qu'on dit moins souvent, des intellectuels et des artistes haïtiens qu'il avait rencontrés. Donc, ils ont monté cette institution en 1944 et elle a été reconnue d'utilité publique en 1947. On sait que c'est un lieu atypique dans le sens où il dépasse les fonctions muséales traditionnelles de conservation et de valorisation du patrimoine, car historiquement il a eu aussi un rôle de formation et de soutien à la création pour les artistes, qui perdure aujourd'hui. C'est également la première galerie du pays, et cette galerie a permis à beaucoup d'artistes haïtiens et à l'art haïtien en général de rentrer dans des grandes collections internationales. Le MoMA, beaucoup de musées aux États-Unis et des collections privées importantes également. Le Centre d'art est une institution à but non lucratif et qui a permis de découvrir, d'encadrer et de promouvoir de nombreux artistes. J'en cite quelques-uns, Philomé Aubin, Hector Hippolyte, Wilson Bigot, Jasmin Joseph. Donc Wilson Bigot, pour faire un petit peu les histoires. On vous a mis ces photos parce qu'on voit souvent les mêmes de photos du Centre d'art et les archives regorgent de photos très intéressantes. Et on a souvent des photos très amicales en fait. Donc ça c'est Wilson Bigot et Rigaud Benoît. Parce qu'en fait les artistes du Centre d'art, on trouve beaucoup de photos où ils allaient à la plage, où ils étaient en famille, des photos des enfants quand il y a des naissances. C'était surtout une famille. C'est pas ton lieu Jean-Noël habitué, voyez, je dis, c'était vraiment en famille. Et puis là c'est une photo où on voit plusieurs artistes, dont encore Murat Pierre en bas. Il y a plusieurs artistes et on voit vraiment l'ambiance de franche camaraderie. Oh, ah, t'as passé trop vite. Ça, c'est Jasmin Joseph. Voilà, là-bas, j'étais sur la photo du haut. On voit aussi Georges Lyoto au fond à gauche. En bas, on voit Franck Lucin, qui était encore aujourd'hui au Centre d'art, artiste et restaurateur. Et à côté, Murat Brière. Et là, on voit Georges Lyoto, Rigaud Benoît, Jasmin Joseph. Et je ne connais pas ce monsieur, mais il est possible qu'il soit très connu également. On ne retrouve pas toujours les noms des personnes sur les photos. Donc en fait, le Centre d'art, c'était ce lieu de rencontre, de fraternité, et surtout un lieu qui a permis, comme je le disais tout à l'heure, à l'art haïtien de pénétrer les collections internationales les plus connues. Donc ces missions sont la formation, le soutien à la création, la diffusion, la commercialisation et la recherche. C'est vraiment atypique, puisqu'en fait, si on regarde les autres lieux du monde, le Centre d'art est un espèce d'hybride, typiquement haïtien. Généralement, dans d'autres pays, on a les musées qui ont un rôle de conservation, de diffusion. On a des centres d'art qui font le soutien à la création et conseil aux artistes. On a des galeries qui s'occupent de la commercialisation. Donc, chaque institution a son rôle. Le Centre d'art, c'est un petit peu tout ça. Et c'est ce qui fait probablement qu'il est parvenu à vivre plus de 70 ans, il a 74 ans aujourd'hui. Donc c'est cette hybridité en fait qui a permis au Centre d'art de survivre malgré les crises, on pense. Donc on continue et on reste dans cette même dynamique. Il y a une grande réflexion à savoir s'il fallait abandonner certaines des missions. Et toutes sont nécessaires et indispensables puisqu'elles fonctionnent toutes ensemble. Voilà, je continue mon petit programme. Donc j'emprunte les mots de Carlos Elius pour dire à quel point le Centre d'art est un lieu exceptionnel. Lui, il parle de protagoniste majeur de la reconfiguration de l'univers de la création plastique en Haïti. Parce qu'en fait, le Centre d'art a ouvert la voie à plusieurs écoles et à plusieurs mouvements et à plusieurs différents types de réunions d'artistes et de groupements d'artistes. Vous avez probablement entendu parler de la scission du Centre d'art, mais en fait, le fait que le Centre d'art, c'est pas un problème qu'il y ait une scission, c'est sain qu'il y ait une scission. On le voit toujours comme la fin, certains la voient des fois comme la fin du Centre d'art, mais en fait le Centre d'art, le fait d'avoir réuni des gens de catégories sociales différentes, d'avoir fait la promotion des artistes populaires autodidactes, a lancé un mouvement, la rencontre de personnes différentes, et même lorsqu'il y a eu scission, il y a eu ensuite le foyer des arts plastiques, il y a eu la galerie Brochette, il y a eu Calfou. Mais en fait, toutes ces différentes scissions sont saines et normales dans une société. Donc en fait, ça a permis de créer des espaces discursifs sur la création en Haïti, et c'est le Centre d'art qui a initié ça. En ce sens, il est très important. Donc enfin, le Centre d'art est à l'origine d'un fonds de création visuelle qui est un patrimoine considérable.
qui est aujourd'hui conservé dans les collections privées et publiques en Haïti et à l'international. En Haïti, ce fonds comprend notamment les fresques de la cathédrale Sainte-Trinité, qui s'est malheureusement effondrée lors du tremblement de terre, et on ne sait pas trop ce qu'il en est aujourd'hui. Ce fonds comprend également une partie de la collection du musée d'art haïtien du Collège Saint-Pierre, qui avait été cédée par le Centre d'art lors de la création de ce musée. Je ne sais pas si tout le monde sait, notamment pour les jeunes générations, que le Centre d'art, n'étant pas un lieu initialement de conservation, avait toujours rêvé de faire un musée pour remplir cette mission de patrimonialisation. Donc en 72, ce rêve a réussi à être mis sur pied, et donc le Centre d'art a réussi à créer le musée d'art haïtien du Collège Saint-Pierre. Représentatif de ce lieu de création que nous sommes. On n'est pas un musée traditionnel, on est un musée lieu de création. Donc c'est... La semaine dernière, il y avait un atelier de sculpture vidéo avec Maxence Denis. L'autre avec des chaises qui est juste devant l'espace numérique. Là, on a un très bel exemple aussi d'un atelier collaboratif animé par l'artiste Mario Benjamin. Et en fait, cette œuvre d'office, on a la chance de pouvoir la garder. Alors, elle vit au jour le jour et on ne l'a pas rentrée dans les collections, on en serait bien incapable. Mais ce passage qui s'appelle « Les murs de Port-au-Prince » intègre d'office une mémoire, une histoire à un temps donné d'un lieu de création. Il faut d'abord désigner l'œuvre, donc donner un titre à l'œuvre, trouver son auteur, la date à laquelle ça a été réalisé, décrire l'œuvre, donner ses dimensions, les matériaux, la technique. Pourquoi on fait tout ça? Parce que si demain il y a un autre tremblement de terre et qu'on se retrouve dans la même situation, il faut, quand on trouve l'œuvre, savoir de quelle œuvre on parle. Et c'est exactement le problème qu'on a aujourd'hui quand on fait l'inventaire, c'est qu'on a des listes d'œuvres avec des numéros, avec des artistes, et c'est tout. Et ces informations ne sont pas suffisantes pour qualifier et reconnaître les œuvres. Donc ça, c'est les informations de base qu'on doit avoir pour chaque objet. Ensuite, on essaye de retracer l'histoire de l'œuvre, sa provenance. Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un achat? Depuis quand c'est dans les collections? Est-ce que cette œuvre a déjà été exposée quelque part? Quel prix elle avait? Quelle valeur on lui donne aujourd'hui? Si on l'expose et qu'on doit l'assurer, on doit connaître sa valeur. Est-ce que cette œuvre a déjà été restaurée? Et ensuite, on récolte toutes les informations qui nous sont utiles à sa gestion, donc sa localisation. Aujourd'hui, on doit savoir, si je veux sortir telle œuvre de Jasmin Joseph, je dois savoir où elle se trouve exactement. Et enfin, une information très importante, c'est son état de conservation. Vous vous doutez bien que quand on va récupérer des œuvres dans les décombres d'un bâtiment, on se retrouve avec une collection qui est très détériorée. Cet inventaire nous a permis de faire le point très précis sur chaque objet et aujourd'hui on sait que nous avons réparti dans l'inventaire les œuvres en 4 catégories. A+, c'est les œuvres qui sont en parfait état, aucun problème. A-, c'est des œuvres qui sont en bon état et qui sont exposables. Combien de A+? Alors A+, on en a 1871, ce qui représente 33% de la collection. Donc une part très importante, qui sont en bon état. Si on ajoute les A-, on a plus de 50% de la collection aujourd'hui qui est exposable avec peu d'efforts. Ensuite, les œuvres classées en B. 2169 objets, c'est des œuvres qui sont en mauvais état, qui nécessitent une restauration et qui sont stables et qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas en danger. Ensuite, les œuvres les plus problématiques, état C, c'est des œuvres qui sont en très mauvais état, qui sont pour certaines en train de se dégrader, en tout cas, qui vont être très très difficilement restaurables. Ça représente 6% de notre collection, donc c'est correct, 373 objets, très exactement. On aurait pu s'attendre à plus, étant donné l'histoire de cette collection. Les types d'altération, il y en a beaucoup qui sont dus au tremblement de terre, mais pas seulement. Donc, les altérations, elles sont dues à quoi? Elles sont dues au mode de conservation, elles sont dues au climat, elles sont dues à la fragilité de l'œuvre, donc à quelque chose d'intrinsèque à l'œuvre. Des fois, les artistes produisent avec peu de moyens et du coup, ils produisent sur des supports qui sont fragiles et du coup, se détériorent très rapidement dans le temps. Et enfin, la manutention, puisque l'erreur humaine, c'est quelque chose qui a été étudié par les scientifiques dans le monde entier. L'erreur humaine est le premier facteur de dégradation des œuvres d'art. Aujourd'hui, on a une collection donc, à 50% en très bon état, qui subit quand même un fort empoussièrement dû aux conditions dans le pays.
Les autres problèmes les plus fréquents sont la moisissure et les infestations. Ça, c'est des problèmes qui sont dus au climat, puisqu'on est ici dans un climat tropical, humide et très chaud. Donc la moisissure se développe extrêmement rapidement et c'est très difficile de lutter contre ça. Les infestations d'insectes, les termites principalement, contre lesquelles je me bats au quotidien. Ils gagnent à chaque fois. Ensuite, des problèmes moins graves, puisque des problèmes qui n'engagent pas la stabilité de l'œuvre. Donc, beaucoup de rayures, quelques décollements de matière, des cassures, des déchirures, des lacunes, et de nombreuses déformations. Donc ces déformations, elles sont dues principalement aux conditions de conservation. Quand le Smithsonian nous a restitué les œuvres en 2012, ils nous les ont rendues dans des réserves qui sont comme ça, très peu d'espace. Les fers découpés sont dans des conteneurs. Vous voyez sur cette image là que chaque sculpture repose sur son propre poids, ce qui au fil des années a causé des déformations. Ils ne les ont pas rendus comme ça, c'est vraiment au fil des 4 ans de stockage qu'on se retrouve avec ce type de déformation. Dans des étagères en bois qui créent plus de poussière, qui attirent les termites. Les réserves de peinture, même problème, étagères en bois. Les termites qui viennent manger nos étagères, je vous rassure, ils mangent aussi les châssis des œuvres, ils ne font pas de différence. Donc, notre inventaire nous a permis de faire le point et de savoir où on en était. Une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment lutter contre tous ces problèmes? Lutter contre le climat, en Haïti, ça va être compliqué. Il faudrait climatiser. Vous savez que le DH n'est pas là 24 heures sur 24. Ça coûterait beaucoup trop cher. Le centre d'art n'en a aujourd'hui pas les moyens. Donc, on utilise la ventilation, on fait le ménage régulièrement, on entretient nos espaces. Le problème numéro un, le plus urgent sur lequel on avait la main tout de suite, c'était un, restaurer les œuvres qui étaient le plus en danger, et deux, changer le mobilier. Pour la restauration des œuvres, Louise nous a parlé de Franck Poussin tout à l'heure, qui est un artiste du centre d'art depuis 1969, qui est aussi restaurateur, qui a été formé en partie par le Smithsonian au moment du tremblement de terre, et qui est ensuite parti se former à Yale, il me semble, et qui est aujourd'hui le restaurateur le plus compétent d'Haïti, je pense. Et aujourd'hui, on a un chantier avec lui. Il a 8 œuvres à restaurer pour nous. La première qu'il a faite, c'est ce Jurelius Joseph. Donc la déformation que vous voyez là, elle est due au fait que le châssis s'est retrouvé brisé au moment du tremblement de terre, ce qui fragilise la toile. Et alors là, j'ai pas fait de détails, mais à chaque pli, la couche picturale est en train de partir. Donc là, c'est une perte irréversible de l'œuvre. Donc c'était quelque chose de très urgent à restaurer. La deuxième œuvre qu'il a restaurée, c'est ce Robert Saint-Brice. La toile était extrêmement fine. Là, je vous ai fait un zoom sur une déchirure, mais il y en avait 5 ou 6. Même problème de décollement de matière. Donc, Franck Poussin a réentoilé toute cette toile. Il a fait beaucoup de travail dessus. On l'a récupéré samedi et il est reparti avec un Roland Borsellino qui va nous rendre très rapidement, j'espère. Sur la liste, on a un Luce Tournier, un Préfet Dufaux, un Préfet Pierre-Louis, un Lionel Saint-Éloi. Normalement, tout va être fini cet été. Donc ça, c'est pour les restaurations. Concernant le remplacement du mobilier, donc je vous ai dit qu'on avait du mobilier en bois qui posait problème. On a décidé de le remplacer par un mobilier en métal. Donc, où trouver des étagères qui sont conformes à la conservation des œuvres d'art? Florence a d'abord cherché du matériel professionnel de musée. Elle s'est vite rendue compte que ça coûtait beaucoup trop cher, notamment à cause du coût de l'importation. C'est du mobilier qu'on ne trouve pas en Haïti. Donc on a fait le choix d'un prestataire local et de lui faire fabriquer nos étagères sur mesure. Donc, pour fabriquer ces étagères sur mesure, il faut connaître nos besoins avec précision. Pour ça, j'ai fait un gros travail. Grâce à l'inventaire, je connaissais toutes les œuvres. J'ai réparti pour les tableaux, chaque tableau par dimension. Une fois que j'ai connu le nombre de tableaux, j'ai pu savoir quelle quantité d'étagères j'avais besoin, quelle quantité de petites, de moyennes, de grandes. Ça a été vraiment fastidieux et au final, on a réussi
avec des discussions avec le prestataire, il nous a montré des prototypes, on lui a donné nos conditions, il nous fallait du métal qui ne pouvait pas rouiller, inoxydable, pas d'aspérité, l'air devait pouvoir circuler entre les tableaux. On a fait des prototypes, grosse discussion pendant 6 mois. Enfin, nous avions nos étagères, et là, ça a donné lieu à un gros chantier, puisqu'il fallait dans la même journée vider tous les tableaux, démonter les étagères, remonter les étagères et remettre les tableaux sans en perdre un et en sachant où était chaque tableau. La première réserve de peinture qui a été traitée, il y a environ 500 tableaux dedans. On a vidé tous les tableaux dans le bureau comme vous voyez là. Ensuite, démontage des étagères, nettoyage à fond des espaces pour enlever un maximum de poussière parce qu'une fois que toutes les œuvres sont là, c'est vraiment vraiment compliqué de dépoussiérer. Du gros nettoyage, tout le monde s'y met. Moi, la directrice, je ménage derrière. C'est le conteneur. Ça, non, c'est pas le conteneur, c'est les réserves de peinture. Ah. Les réserves de peinture, je ne vous l'ai pas dit, sont dans des bâtiments temporaires, mais quand même en dur. Au moment du démontage, on a vraiment pu se rendre compte des dégâts. Donc là, vous voyez, toutes nos étagères étaient rongées par les termites. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas de l'extérieur parce qu'ils rongent vraiment l'intérieur. Et au moment où on s'en rend compte, c'est que c'est trop tard. Et on a probablement énormément de châssis qui sont dans cet état. Il était vraiment, vraiment temps. C'était une vraie urgence de changer ces étagères. Donc on a traité les espaces contre les termites. On a remonté dans l'après-midi les étagères. On a installé des mousses sur chaque barre pour que les manipulations n'abîment pas les tableaux. Donc là, vous voyez, les tableaux ne reposent pas sur une table en dur comme ça, justement pour que l'air puisse circuler. Et ensuite, tard le soir, il était temps de ranger tous les tableaux. Chaque tableau, il fallait noter son numéro, écrire où on le rangeait, pour pouvoir ensuite remettre tout ça dans notre base de données et être capable de les localiser. Aujourd'hui, si vous me demandez où se trouve tel tableau, je vous le trouve en 5 minutes. Ce qui n'était pas le cas avant. Puisque maintenant, à chaque intercalaire, il y a une adresse différente. Avant, c'était sur toute la longueur qu'on avait une adresse. Donc, quand je cherchais un tableau, je devais chercher dans 100 tableaux. Aujourd'hui, je cherche dans 5. Donc, voilà ce que ça donne aujourd'hui. Quand on rentre dans nos réserves, on a l'impression d'être dans un vrai musée. Même travail pour les sculptures. Donc, on a tout vidé, démontage. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce que dans un conteneur, on est vraiment à l'étroit pour travailler. Donc, je ne vous ai pas cité notre prestataire, c'est les ateliers École de Camperin qui nous ont fabriqué toutes nos étagères, qui sont venus nous installer, souder des tringles pour suspendre les sculptures. Donc là, on voit Moïse à l'œuvre. Et vous voyez, toutes les sculptures sont suspendues, donc elles ne reposent plus sur leur poids, ce qui va permettre de limiter les déformations à l'avenir. Ensuite, on mettra une mousse entre chaque sculpture pour qu'elle ne s'en mêle pas et quand on les sort, il n'y aura plus de pression dessus. Donc, je vous ai parlé de notre base de données, ça c'est un autre gros chantier pour les collections. Quand on a 5000 objets, on ne peut pas gérer ça sur Excel, c'est beaucoup trop lourd. Donc, nous avons investi dans une base de données qui est un vrai, vrai outil de gestion. C'est le lieu qui regroupe toutes les informations sur la collection. Ça centralise toutes les informations, toutes les données pour chaque œuvre. Ça permet le suivi des mouvements, le suivi de l'état, le suivi scientifique. C'est vraiment... Ça permet de préparer des expos. Si des chercheurs veulent venir étudier les collections, tout est centralisé sur un logiciel. C'est quelque chose sans lequel aujourd'hui on ne pourrait pas travailler. Pour trouver une base de données de musée, c'est des logiciels qui sont très chers, qui demandent beaucoup de maintenance, qu'il faut payer cher chaque année. L'exemple, le modèle ultime s'appelle TMS, de Museum System, qui est une base de données qui a été développée par Getty Museum, un musée de Los Angeles qui est vraiment parfaite, et qui est extrêmement chère. Il en existe d'autres, Micromusée, FileMaker Pro, il y en a vraiment beaucoup. Nous, on a fait le choix de prendre un logiciel libre qui s'appelle PMB, qui est à la base un logiciel de bibliothèque, mais qui est développé localement en Haïti par un prestataire qui s'appelle Logipam, qui développe cette base de données pour plusieurs bibliothèques en Haïti. Donc on l'a contacté, on lui a demandé s'il pouvait adapter, étant donné que c'est un logiciel libre, s'il pouvait l'adapter
à nous nos problèmes de conservation et de gestion de musée, puisqu'une bibliothèque ne gère pas des unicards comme dans un musée. On n'a pas besoin d'exactement d'un logiciel, donc ils nous accompagnent dans ce chantier. Ils sont en train de travailler sur des nouveaux modules pour vraiment répondre à nos besoins précisément. Quand ce logiciel qu'on développe avec lui sera vraiment au point, c'est un logiciel qui pourra être utilisé par tous les musées d'Haïti. Je vais juste faire une petite intervention à ce niveau-là. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est notre stratégie au Centre d'art depuis qu'on a recommencé. En tout cas, c'est vraiment la vision que j'essaye d'implémenter ici. C'est que tout ce qu'on essaye de faire, on essaye de le faire le plus localement et le plus adapté à nos réalités possibles. Donc que ce soit le mobilier qu'on a développé en Haïti avec les ateliers écoles de Campérin, ça peut servir à d'autres musées. Pas forcément les mêmes étagères, mais en tout cas le processus a déjà été fait, donc les ateliers écoles de Campérin ont compris ce qu'il fallait pour des musées et les limites. De la même manière, pour la base de données développée par Logipam, c'est le logiciel PMB, c'est un logiciel de bibliothèque qu'on a redéveloppé pour qu'il corresponde à des fiches de musées. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment récupéré aussi par les autres musées ou des collections privées. Ça, par exemple, c'est une fiche, une notice d'œuvre. Donc vous voyez qu'on, en un clin d'œil, on voit toutes les informations dont on a besoin. On a une photo de l'œuvre. Cette œuvre, par exemple, en ce moment, elle est dans le Colorado pour une exposition. Donc sur sa fiche, je vois qu'elle doit revenir le 6 juin 2018 et que la personne responsable dans le Colorado est Anthony Bob. Je sais qu'elle est en état à moins. À moins pourquoi? Parce qu'il y a un jaunissement général, du coup, il y a une intervention à faire. Je sais qu'au centre d'art, elle est rangée, donc c'est plus les bonnes adresses puisqu'on a fait chantier, qu'avant elle était rangée dans la réserve 4 en emplacement 4M. J'ai vraiment toutes les informations. Donc cette base de données, elle va aussi nous servir à autre chose qui est très important pour nous, c'est la diffusion de la collection. À partir de ce logiciel, on pourra transmettre notre inventaire sur notre site internet pour qu'il soit... Enfin, je vous ai dit que l'inventaire était terminé, mais il y a plein de petites erreurs à corriger, revoir les codes d'orthographe, revoir les autorités d'art, enfin les noms d'artistes. Des fois, il y a des doublons, il faut tout écrire pareil, il faut améliorer les descriptions, puisque là, on a fait tout ça très vite, mais il y a encore une amélioration. Mais quand ce sera prêt, ce sera diffusé à tout le monde aura accès à notre base de données sur le site du Centre d'art. Comme la plupart des musées, si vous allez sur le site du MoMA, du Met, du Louvre, vous pouvez voir du Quai Branly. Le Quai Branly était les premiers à faire ça en France il y a 15 ans maintenant. Le Met, c'est vraiment la référence, si vous voulez voir ce que ça doit donner. C'est sur le site du Met qu'il faut aller. Diffuser cette collection, ça permettra aussi de donner une visibilité en dehors des frontières d'Haïti aux chercheurs étrangers qui souhaitent étudier l'art haïtien, qui pourront voir de l'étranger ce qu'on conserve au centre d'art et préparer ensuite leur venue pour pouvoir venir faire leurs recherches sur place. Donc on va diffuser l'inventaire du centre d'art, on va aussi diffuser le répertoire des archives. Du coup, ils sauront quelles archives sont consultables au centre d'art, ce qui va permettre de leur faciliter le travail et ils sauront pourquoi ils viennent en Haïti. Donc ça va vraiment aider à la recherche et à développer l'intérêt. Des expositions. Ouais. On est régulièrement contacté par des musées étrangers pour présenter des œuvres et les chercheurs qui veulent faire une exposition, les conservateurs qui veulent faire une exposition, font savoir qu'est-ce qui est disponible au centre d'art et on l'espère plus tard dans les autres musées aussi. Donc la diffusion de la collection, aujourd'hui, c'est l'enjeu le plus important pour nous. Donc je vous ai dit que notre base de données n'est aujourd'hui pas prête à la diffusion sur Internet. On essaye quand même de se donner une visibilité via Facebook. Vous avez sûrement remarqué que depuis quelques temps, on publie des œuvres tous les samedis pour que notre public, les gens qui nous suivent, sachent qu'on conserve cette collection, qu'elle existe. Qu'est-ce qu'on a? Et essayer aussi de vous montrer la diversité de ce qu'on a. Et au-delà des collections, aussi vous montrer les archives qu'on a et à quel point ça... Essayer de vous donner un petit peu de cette histoire en attendant de pouvoir vous donner plus.
Et l'autre projet de diffusion qu'on a, c'est un partenariat avec Google Agriculture. Et alors Google Agriculture, c'est développé par Google. C'est un site internet sur lequel les institutions culturelles En fait, c'est un outil de diffusion de la collection. On peut faire une visite virtuelle. Il y a certains musées qui ont filmé. En fait, c'est le même concept que Street View. On filme à 360 degrés toutes les salles de l'exposition et ensuite, à distance, on peut se déplacer dans le musée. On peut aussi créer des expositions. En fait, on regroupe par thème. Là, je vous ai mis un screenshot du musée d'Orsay. Ils ont mis les impressionnistes, l'art moderne. Ils ont une catégorie peinture à l'huile. Donc on peut créer des thématiques comme ça et créer en fait une exposition virtuelle. Et dans le cas d'un musée qui n'est pas encore reconstruit et qui n'a pas vraiment de salle d'exposition, vous imaginez tout l'intérêt qu'on peut avoir à créer des expositions virtuelles. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, avec tout le travail qu'on a fait, tout ce travail d'inventaire, ce travail d'amélioration des conditions de conservation, il faut bien comprendre que les deux enjeux principaux, c'est la recherche scientifique et la diffusion de notre collection, dans le but de... Tout ça, en fait, c'est bien beau de faire de la recherche, de faire des publications, Mais l'idée, c'est que le grand public connaisse tout ça. Et pour que le grand public connaisse tout ça, il faut faire des expositions. Alors, nous, aujourd'hui, au Centre d'art, on n'est pas encore reconstruit, on n'a pas encore de lieu pour faire des expositions, ça ne nous empêche pas d'en faire. En février 2016, c'est Lumière des ondes qui met en valeur la collection de Pierre Découpé. L'exposition Jasmin Joseph, que j'espère que vous allez presque tous visiter, qui a vraiment fait à la Maison du Fort, qui a vraiment permis de faire le point sur toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui sur l'œuvre de Jasmin Joseph, et qui est vraiment une base de travail vraiment solide pour des chercheurs qui voudraient continuer à travailler sur ce sujet. Donc voilà, la recherche permet de donner du fond, les expositions permettent de partager avec le public et de donner envie aux gens de découvrir l'art haïtien et de s'intéresser à l'art haïtien et de continuer à l'étudier. Et voilà, tout ça pour vous dire que depuis 8 ans, on a des collections qui ont certes souffert, mais qui ont quand même pu être sauvées, qui aujourd'hui sont stables, qu'on s'efforce de continuer à les faire vivre, même sans avoir d'espace d'exposition. Et on espère continuer encore longtemps. Cet inventaire, cette numérisation, ce travail qui a été fait va nous permettre aujourd'hui de vraiment pouvoir travailler, de commencer à travailler comme n'importe quel musée international. Et ça, c'est déjà énorme, c'est déjà un grand aboutissement. Donc je vous remercie, toutes les personnes qui ont participé à ce chantier et que j'aurais pu oublier de mentionner. Et voilà.